Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sangascrap Mandorlé. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Je fais haut parce que je crois que j'ai une petite fourmi qui m'a piqué. J'ai ramené des choses tout à l'heure du jardin et je pense que j'ai dû ramener une fourmi dans le lot. Donc voilà. Donc je viens aujourd'hui parce que j'ai reçu un colis, deux enveloppes. Donc c'est des colis que l'on m'a super gentiment envoyés. Pour mes 52 ans. Et donc déjà, merci beaucoup. Alors, je me suis posé la question, alors c'était déjà avec le colis de Félix pour savoir si je voulais montrer, tout simplement. Parce que je ne sais pas effectivement comment ça peut être perçu. Enfin, globalement, vous êtes très contente de découvrir avec moi les super cadeaux que l'on m'envoie. Mais c'est vrai que je suis quelquefois dans une position où je me dis, est-ce que je le garde pour moi ou est-ce que, voilà, peut-être que pour certaines personnes, c'est peut-être pas forcément perçu idéalement. Voilà, donc globalement dans les commentaires, tout est très très sympathique. Donc on va continuer comme ça. Je vais commencer par le premier, la première enveloppe que j'ai reçue. Alors, on est mardi, je crois que je l'ai reçue samedi. Samedi, si je me souviens bien. Mais j'en suis peut-être pas forcément certaine hier. Non, parce que hier, c'était celle-ci. Non, c'était peut-être bien hier. Non, 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 c'est hier. Non, non, parce que je l'ai reçu quand je suis arrivée de ma pause déjeuner. Alors, je vais juste. Je vous place ici, peut-être? Qu'est-ce qui serait mieux? Oui, ce serait peut-être plus simple. On va faire comme ça. Je vais vous placer là-haut. Et puis, vous voyez, là, je suis en train de regarder, non pas Columbo, mais Harry Potter. Je suis en train de me remettre un petit peu dans les personnages parce que ça fait un petit moment que je ne me suis pas regardé tous les DVD. Donc là, je suis rendue au prisonnier d'Azkaban. Donc je me suis déjà fait Harry à l'école des sorciers. Ensuite, la chambre des secrets. Et là, je suis sur donc le prisonnier d'Azkaban. Faut que je me remémore un petit peu tous les personnages de cette grande, grande histoire de Harry Potter. Et puis on fera un junk là-dessus parce que j'ai réfléchi finalement en fait. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai réfléchi, je pense que je vais faire un junk spécial Harry Potter et ensuite on fera un grimoire ensemble. Pour le grimoire, enfin, j'ai pensé à des choses, faut que je les commande. Donc voilà. Mais j'attends un petit peu. Donc le grimoire, il va attendre encore un peu. Harry Potter, je pense qu'on va l'entamer assez rapidement, en tout cas. Voilà. Allez, je vous mets là-haut et puis on découvre tout ça. Ok. Donc là, je suis en train de charger mon téléphone en même temps parce que la batterie est faible, faible. Donc je voudrais pas qu'elle me lâche. Ok, ça doit être bon. Alors, on va ouvrir la première enveloppe. Alors, c'est une enveloppe qui me vient de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine P. Du 85. Oh là là. Allez, je vais tout sortir. Voilà, je vais sortir comme ça. Et puis on va regarder. Alors là, c'est l'enveloppe déjà. Hop là. Oh, super! La première que je vais pouvoir insérer dans ma girouette. Oh, c'est trop chouette. Alors, je regarde. Oh, que c'est joli. Oh, qu'elle est jolie cette carte. Ah, oh, elle est vachement belle. Waouh! Oh, elles sont trop mignonnes, ces petites roses. Qu'est-ce qu'elles sont belles? Enjoy the day, oui. Oh, qu'est-ce que c'est joli avec une super belle petite bordure comme ça. Yes, le papier est trop beau derrière, un peu marbré. Magnifique. Je la lis. Eh bien, écoute, je t'embrasse aussi. Madelon. Ben oui, c'est Madelon. Oh, trop, trop jolie. Oh, elle est magnifique. J'adore. Elle est super belle. Waouh. C'est la classe.
J'adore. Alors, oh, bah écoute, merci beaucoup. Des super. Oh, bah, c'est la fin de la journée. Des super embellissements, des petites fleurs comme ça, là. Waouh. Oh, merci. Ça, c'est chouette. Bah, tu sais quoi, j'en avais plus beaucoup, beaucoup des petites fleurs comme ça. Parce que je les utilise super souvent hein, dans les créas. Ça tourne mon truc? Oui, c'est bon. Oh, des beaux napperons. Des super petits napperons, ça aussi, c'est la classe. On n'en a jamais assez. Et alors, oh, c'est ta super Memory Dex. Alors ça, c'est vrai que c'est super, hein, les Memory Dex avec avec toutes les infos, vos infos derrière, vos noms, vos prénoms, vos coordonnées. Alors ça, c'est chouette. Ça, c'est génial. Et c'est pour ça, hein, notamment que j'ai acheté la girouette parce que bah, c'est quand même super. Bah, alors j'en avais reçu du concours. Donc je les avais toutes mises au même endroit. Et maintenant il faut juste que je les classe toutes dedans, quoi. Donc voilà. Alors là, comme ça. Donc, ouais, je voudrais pas la. Donc c'est super. Ouais, c'est vraiment génial. Oh cool, bah écoute, t'es la première. Tu es la première dans ma girouette. Et alors, qu'est-ce que c'est? Oh, bah dis donc, ils sont super beaux, tes napperons en forme de petit cœur. Youh! Oh là là, c'est super original. Oh, merci. Ah ah! C'est quoi, Tess? Oh, ça, c'est charmant comme tout. Oh, coco, coco, coco. Oh, mais c'est une petite boîte. Oh, quelle bonne idée. Avec la petite pâte. Ah, tu t'es servi d'une boîte en plastique. Toute customisée, tout bien, tout bien. Et c'est super chouette l'idée. Oh, je suis fan. Je suis très, très fan. Avec. Alors, attends. Oh! Qu'est-ce que c'est ravissant! Oh, elles sont hyper trognonnes, les toutes petites fleurs. Oh, c'est génialissime. Oh, les beaux petits boutons en cœur rose comme ça. Oh, c'est choupi. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes! Mais c'est vraiment des toutes petites fleurs. Regardez par rapport à ma main, c'est. Ah, j'en avais jamais vu des comme ça. Oh, bah alors ça, c'est génial. Ah, j'ai des découpes. Alors, j'ai des petits papillons. Ah, mais elle est sublime, ton idée de customiser des boîtes comme ça. Oh, bah écoute, j'en ai, je vais m'en faire. C'est vraiment tip-top. Donc, après, avec plein de. Oh là, elle est jolie celle-ci. Oh, c'est génial. Moi, bon, je les regarderai après toutes les unes les autres avec des beaux cœurs comme ça, là. Il y a plein de cœurs. Oh, c'est trop cool. C'est trop trop cool. Et là, qu'est-ce que tu m'as mis? Ça, à mon avis, c'est en plâtre. Hein. J'ai plein de petits cœurs qui tombent. Ah, bon, on va pas tergiverser. On va. Voilà. J'ai éternué tout à l'heure avant de passer en vidéo. Non, j'ai la gorge qui me pique. Oh là là. Oh, les tout petits nœuds comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-ci. Waouh. Eh ben ça, c'est bien sympathique. Oh, c'est formidable. Alors, hop, je vais les placer ici. Ça, c'est vraiment chouette, hein. Qu'est-ce que c'est mignon, ces petits nœuds-là. Oh, écoute, franchement, c'est trop mignon, trop mignon. Allez, je vais mettre ça. Ben écoute, franchement. Oh. Un joli petit sachet rose. Avec un beau petit nœud. Moi aussi, tout mignon. Oh, c'est tellement adorable. Tout bien présenté comme ça. Un petit vélo. Waouh. Des cintres, des petits personnages, petite voiture. Ah, bien. Bien des petites boucles comme ça. Oh, ben tu m'as gâté. C'est génial. J'adore. Oh, j'adore, Madelon.
Ah, c'est trop kiki avec plein de petits cœurs. Oh, bah écoute. Oh, c'est excellent. Oh, merci beaucoup, Madelon. C'est adorable. Adorable. Je suis fan. Et ta petite boîte. Ah non, mais alors ça. Ah, je pense que ça va plaire à beaucoup. Je pense que ça va plaire à beaucoup de filles. Alors attends, faut juste que je la referme. Voilà. Je pense que ça va plaire à beaucoup, beaucoup de filles. Parce que franchement, mais ton idée, elle est juste tip-top moumoute. Ils sont beaux ces liserés là, comme ça là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Oh, ça finit super bien. Eh bien, bravo, vraiment, bravo. Félicitations à toi, Madelon. Parce que vraiment, c'est une toute petite merveille. Enfin, quand je dis toute petite merveille, attention, c'est pas péjoratif du tout. Mais ta carte, tes petites choses, oh, c'est adorable. Oh, vraiment, ouais, je suis fan. Vrai, vrai, vrai de vrai. Alors, ensuite, je vais par ordre d'arrivée. Alors, on va ouvrir. Ah, je fais, hop, c'est crocheté. J'ai toujours le don de retirer la, de vouloir retirer les petites bulles. Oh, oh si, c'est mignon ça aussi. Ah, alors attends, bouge pas. Ah, un Pierrot. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu un Pierrot, moi. Tu sais que l'idée est formidable. D'utiliser Pierrot pour des décos comme ça. Ça me rappelle mon enfance, Pierrot. J'ai ma cousine Chantal, elle était super fan, elle en avait un, et même moi, j'en avais un, Pierrot. Oh là là, oui, avec la tête en porcelaine. C'est vrai, doux moment. Avec le. Oh, c'est super mignon, t'as colorisé ton arbre. C'est super chouette. Oh, c'est vraiment super chouette. Oh. Un trombone altéré. Alors, attends. Ton petit mot ici. C'est vrai que le petit mot, il était tombé. Je l'avais mis dans l'enveloppe. Oh! Alors, attendez. Hop! Je lis mon petit mot. D'accord, ok. Alors, il y a une ATC. D'accord, ok, pas de souci. Pardon. Oh là là. Mais pas de souci, Valérie. Oui, pardon, j'ai pas dit de qui il venait. L'enveloppe vient de Valérie. Oh, pardon, je manquais à tous mes devoirs, moi. Valérie P. Du 93. Valérie P. du 93. Bah écoute Valérie, il n'y a pas de souci par rapport à ta demande. Ok, pas de problème. Une amoureuse de chat aussi, tiens. Promis, je continue à faire mes vidéos. Je ne sais pas si elles sont très sympas, mais en tout cas, je continue, il n'y a pas de problème. C'est trop mignon. Oh! Mais oui, j'ai bien compris que tu aimais beaucoup les chats. J'ai bien compris que tu aimais beaucoup les chats. Alors attends, bouge pas, je vais tout mettre là comme ça. Voilà. Hop. Puis tu l'as bien colorisé, tout. Oh, c'est trop mignon ce Pierrot là comme ça. Oh, ça c'est chouette. C'est un œil de chat. Un œil de chat. Alors si ça brille, c'est pas top. Mais voilà, il y a la l'œil de chat. Oh, magnifique. C'est super original, hein? Oh, un joli petit ruban. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis là? Petit clin d'œil à Senga. Ben oui, l'étoile de mer. Et là, des petits autocollants transparents, des belles petites étiquettes, une marguerite. Alors, I believe I am born as the bright summer flower. De note. Oui, d'accord, ok. Je vais faire Reverso, hein, pour. C'est certainement très très beau, mais là pour l'instant je ne comprends rien. Elle... Oh, c'est beau ça. Belle pendule en autocollant transparent.
Ah ben ça, tu vois, ça va aller dans mes triptyques. C'est très très fin. C'est super fin et ça. Des petites images et tout. Oh, merci. Oh, cool. Du Pierrot. Tu sais que ça me donne une idée, ça, en fait. Tout un truc sur Pierrot. Oh, il doit y en... Ah, merci, super. Tu m'en as mis un. Oh, c'est trop mignon. C'est adorable. Adorable. Waouh. Bon, belle petite découpe à réaliser. Elles sont super jolies. Stamperia collection Imagine. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, je vais découper et je vais me les garder et je vais m'en servir. Elles sont très très belles. Très très belles. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. Et tu vois, ce qui me fait vraiment vraiment plaisir, c'est que là, tu me ramènes à plein de choses avec Pierrot. Et jamais, 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 j'aurais pensé à l'utiliser. Ah non, mais franchement, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. C'est adorable. Ah ouais, ça fait du bien hein, de ce... Merci beaucoup, Valérie. Merci, merci. C'est super adorable. Je te fais plein de bisous. J'ai pas fait de bisous non plus à Madelon. Gros bisous, Madelon, également. Je vous embrasse très très fort et vraiment merci. C'est adorable. Alors ensuite, comment vous dire? J'ai reçu un colis de Dominique. Domi. Alors, je vais essayer de vous montrer la taille. Alors, je vais juste enlever mon étiquette où il y a mon adresse et tout et tout. Si j'y arrive, je vais la juste la hop. Voilà. Hop. Voilà. Je vire nos infos. Hop, voilà. Alors. J'ai commencé à l'ouvrir, hein, je vais pas vous dire de bêtises. Donc il est gros. Gros, gros. Donc c'est super parce qu'elle met des super bons morceaux de washi dessus. Donc ouais, je l'ai ouvert. Hop, allez, on les balle. Alors Domi m'a renvoyé, hop, voilà des grandes pages comme celle-ci. Donc super pratique ces grandes pages. Domi m'en avait déjà envoyé. Et vous savez, je les ai mis dans mon grand rangement de carton à dessin. Et dedans, il y a vraiment des super choses. Et le format de ce grand papier, il est vraiment extraordinaire. Parce que pour faire des grandes, grandes enveloppes ou des grandes choses, ça c'est vraiment. Et c'est vraiment du papier vraiment très très costaud. Un chouille, pas plastifié, un chouille brillant, mais il est vraiment super beau. Cherche l'année. Eh ben, 1932. Ah ouais, non, franchement. Oh, c'est super ça. C'est vraiment de super papier. Moi, perso, je. Ben, j'en utilise quand même pas mal. Et j'en ai déjà utilisé même en vidéo. Et on en réutilisera pour faire des embellissements junk d'ailleurs. Donc cool Domi. Merci d'avoir renfloué un peu mon stock. Parce que ça part assez rapidement. Alors, oh, je vais zoomer un petit peu. Alors, là, pareil, des super beaux papiers. Oh là, c'est beau ça. Ça c'est super joli. Vous le voyez en entier? Avec, voilà, des belles images. Ah, ça c'est de l'impression sur du papier canvas. Black Cat. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est joli ça. Ah, le dessin est magnifique. Ah, génial. Là. Ouf! C'est quoi ce squelette? Waouh! Donc ça doit être des impressions que tu as faites.
toujours sur du papier canvas avec un joli chat, une jolie tête de chat. Et là, waouh! Des belles. C'est un peu comme des photos, des portraits. Ah, c'est vraiment kiki, hein. Ah, génial! Super! Elle sait que j'adore Dominique. Elle me met à chaque fois plein de petits tickets, comme ça. Et ça c'est fort, ça. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et tu m'as même fait des petites règles. Des toutes petites règles comme ça. Ça, c'est chouette. Tu m'en as fait deux. Et des trois, pardon. Et après, des grands tickets comme ça. Ah ouais, t'as des super découpes, hein, pour ça. Merci beaucoup. Merci, merci, parce que c'est super pratique, hein. Ça, c'est super pratique. Eh ben, non, c'est que je les ai mis derrière. Donc ça, ouais, elle sait que je suis très, très fan. Ouais, nickel. Alors, ensuite. Ah, on dirait du papier vellum. Alors, celui-ci, c'est sûr. Et celui-là, oui, aussi. Un beau papier vellum de chez Artemio. Deux chouettes grands papiers. Là aussi, hein, il y a de quoi faire. J'étais en train de réfléchir à un truc qui serait sympa de faire. J'ai rien. Je ne dis rien pour l'instant. Alors, ah, des créations de Domi. Bah, c'est super beau ça. C'est hyper joli. Ah, bien ton. Ta découpe là comme ça. Ah ouais, t'as utilisé l'enveloppe. Oh, c'est chouette. Et puis voilà, superposition de matière. Des fleurs naturelles. Ça sera peut-être comme ça. Du papier imprimé. Oh, du tissu imprimé. C'est super beau, hein. Des vieilles dentelles. Waouh! Oh, il est super original ton bouton comme ça. Ah, c'est vachement bien ça. Morceau de jean. Bah, ouais, des capsules juste tamponnées. Ah, c'est super comme idée, hein. Oh, c'est super mignon. Et là, ça fait vraiment grande enveloppe. Oh, que c'est beau ça. Ça, c'est. Alors. Ouais, je pense que c'est toi qui l'as fait en fait. Hein, c'est de l'embossage à chaud sur du papier. Alors ça, j'imagine que je pense que c'est du. J'imagine que je pense du papier de chez Action. J'ai l'impression, je le reconnais. Ouais, ça, c'est pareil. Voilà, les petits bouts de dentelle comme ça. Je trouve l'idée hyper mignonne avec de la corde, les fleurs séchées. Bah, ouais, tu en fais pas mal de fleurs séchées du coup. Hein. C'est super joli. Hop là, pardon. Oh, merci, Domi. D'accord, ok. L'oublierai pas, la petite mascotte. C'est super mignon. Ouais, elle m'a fait un truc derrière. Elle est super belle, ta carte. Hein. Passionnément. Ben, chapeau, ma belle. Chapeau, c'est super joli. Hein. C'est vraiment top. Oh. Ne doute pas de toi, ma chère. Ne doute pas de toi. Oh. Puis alors, les papiers sont beaux. Hop là, attends, il y a quelque chose qui glisse. Yes. T'as utilisé une enveloppe de base? Ou il y a quelque chose dessous? C'est nickel, hein. Ah, yes. Très, très belle idée, hein. Très, très, très belle idée. Ouais, t'as carrément juste passé à l'intérieur. Ça, c'est une belle idée, hein. Elle a juste, en fait, elle a pas chauffé dans la machine ni quoi que ce soit. Une petite pochette. Elle a juste glissé sa pensée, sa petite feuille
naturel, quoi, avec un morceau de papier et ça rend super bien. Et puis là, en bas, le petit cartonnage, c'est la fête, hein, c'est super joli, super joli. Ça, je ne saurais pas dire ce que c'est, mais ça me semble vraiment très très naturel. Chouette. Je like. Je mets un pouce. Non, franchement, c'est super beau. Je suis super fan. Alors, c'est quoi ça? Là, il y a une petite pochette, une grande pochette. Pas petite, grande. Oh, c'est quoi ça? Alors, c'est un petit peu holographique aussi. C'est de l'autocollant. Oh, j'ai l'impression. Non, c'est pas autocollant. Ah ouais, non, c'est d'accord. Il y a une protection là-dessous. Mais c'est pas autocollant. J'ai presque envie de l'enlever pour voir ce que ça donne complètement. Ah, c'est dommage parce que j'ai peur de le rayer après quand il va être posé. Waouh! Alors, Domi, tu peux m'expliquer, juste comme ça, hein, enfin, si tu as le temps, toi, tu l'utiliserais en quel style et comment? Ah, je vais trouver, hein, de toute façon, je vais trouver une idée, mais. Ah, sur une carte avec des choses posées dessous aussi, ça pourrait être cool, hein. Faut trouver la combine, mais une. Deux. Ah oui, c'est des différentes. Non, peut-être pas. Si, si, c'est toutes des différentes. Elles ont des cadres différents. C'est beau. Je connais pas du tout. Je connaissais pas du tout. Ou alors, il faut les. Ah, d'accord, attends, bouge pas. Ça y est, j'ai pigé. J'ai pigé. C'est qu'il y a les cartes qui vont dessous. Ok. Ça y est, c'est bon. J'ai trouvé. Alors ça, voilà, donc ça va dessus, j'imagine. C'est presque dommage que ça aille dessus. Ou alors c'est comme ça. Quel est l'intérêt sinon? Ça se pose sur le carton comme ça? Ouais, peut-être bien. Bon, il faut que tu me files quand même un tout petit peu plus d'infos pour savoir comment on doit utiliser ces belles choses parce que c'est vraiment super. Là, j'ai hâte que tu me dises, que tu m'en dises plus sur ces belles belles choses. Et puis alors là, c'est vraiment super beau, hein. Ça fait un joli cahier. Tu sais quoi? Je pourrais presque enfiler un cahier dedans. Un petit cahier ou faire un truc. Je me demande si je vais pas le m'en servir au boulot de ça. Ça me plaît bien, tu vois, pour me faire plein de petites pochettes avec des. Je me demande si je ne veux pas me l'emmener au bureau. C'est tellement joli que. Ouais. Je pense que. Ouais, c'est ça, c'est une enveloppe. Tu t'es servi d'une enveloppe. Ouais, je pense que ça va me suivre à mon bureau. Ah, génial. Des découpes. Oh, des. Alors ça, c'est super fin. Je me demande si ça, tu m'en avais pas déjà fait. Il me semble que j'en ai quelque part. Alors, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Les cartes. Des cartes. Ça se verra peut-être mieux comme ça. Oh, c'est beau ça. C'est trop joli. Alors, oh, les créas de Domi. Oh, trop rigolo. Ah, c'est génial l'idée. Puis alors, attention, dessus, dessous. Ouais, cool. C'est super l'idée hein, d'en avoir fait un accordéon. Oh, j'ai plein de choses à l'intérieur. Attends, je les récupère. Hop, 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 hop. Là, j'ai des découpes. Oh, le petit chat. Oh, c'est tout mignon, ça. Alors, attends, il y en a un autre. Ah, crotte! Ça s'est détaché. Oh, merci. Un dice de dauphin. Ah, ça s'est détaché. Bon, c'est pas grave, t'inquiète, je vais le recoller, je vais le recoller, je vais m'occuper de lui. Oh, diapositive comme ça. Mais Domi, toi, t'as un paquet de trucs comme ça. Tu dois avoir un paquet de dice, mais c'est un truc de fou. Alors, hop. Avec la petite. D'accord. Okay. Oh, c'est génial. Ouh. Petite enveloppe. Petite enveloppe. Hop, ça m'échappe.
Ça m'échappe, ça m'échappe. Je vois des découpes là. Je vois des découpes. La finesse des découpes. Des petits lampadaires muraux. Alors, je crois que je n'ai rien oublié. Bon, alors, attends. Je vais le refaire. Hein. Je vais le rescotcher. Tic, 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 tic. Non, je crois que j'ai rien oublié. Tic et tac. Ouais, j'ai juste un point de colle à mettre. Ça mange pas de pain. C'est trop trop chouette. Alors ici j'ai plein de papier, donc ça, imagine-toi bien que aussi fin dans le triptyque, je vais pousser, hop, comme ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bravo, bravo, bravo Domi. Et bim, j'entends un truc. Ah, c'est là. Non, pas encore. Ah, c'est ce qui me semblait. Voilà, c'est derrière. Oh. Voilà, c'est ça que j'entendais. C'est beau, hein. Les couleurs sont ravissantes. Super chouette. Super chouette. Donc, grande enveloppe ici, à l'intérieur. Oh ben non, mais regardez le détail. À l'intérieur, elle a fait des petits soufflets. Là, ici, des petites enveloppes en soufflet. C'est génial, hein. Des tags. Voilà, des tags avec... Ah, c'est une super idée, ça aussi. Là, l'idée est géniale, hein. C'est vachement chouette. Alors, attention, hop. Oh là là, oh. Pff. Regardez ça. Alors, ici, on a un tag. Oh, mais c'est génialissime. Hein. Tu l'as fait avec du canvas, hein, avec des petits morceaux de carton comme ça. Bah, je sais pas où vous allez chercher vos idées, hein, moi, mais je suis épatée. Oh là là. C'est bon, vous voyez bien. C'est trop cool. C'est trop trop cool. Ah ouais, non mais franchement, moi je suis hyper admirative, hein. Je suis vraiment hyper admirative parce que c'est alors hop, ici il y a un truc. Attends, je suis en train de faire je suis en train de faire une bêtise ou quoi, ou c'est collé? Non, c'est bon, c'est que c'était juste un tout petit peu collé. Alors là il y a un truc là. Oui, c'est ça. Oh. Et c'est génial, hein. Il fallait avoir l'idée, hein. Sublime. Je suis Baba sans voix. Alors attends, bon, c'est bon. Ben, Domi, elle adore les chats. Hein. C'est, enfin, je pense qu'elle, enfin, je pense pas. Elle adore les animaux. Elle est complètement, enfin, voilà. C'est une militante pour le respect des animaux et je la rejoins énormément dans tout ça. D'ailleurs, ça, c'était pas là. Ça, c'était pas là. Je vais remettre ça comme ça. Voilà, pour pas perdre les choses. Mais ouais, j'adhère énormément à. Enfin, à ce qu'elle pense de tout ça, de la préservation de l'espèce animale et du respect qu'on doit en faire. Ouh, tout, tout. Bouh. Ah bah dis donc, toi aussi tu utilises du canvas, hein. Moi aussi, j'en ai racheté deux blocs là. Parce que alors, oh. J'en ai racheté deux blocs parce que j'en avais acheté un
Impossible de remettre la main dessus. Non, mais je suis un boulet. Je suis un boulet, je suis un boulet. Oh, joli napperon. En tissu, hein. Tout. En tissu. Il est super beau. Puis alors, voilà. Hop. Tu n'avais pas fait un truc comme ça, hein? Oh, cool. Ouais, j'ai même pas fermé ma messagerie, moi. Oh là là. Donc, comme ça ira mieux. Ils sont super beaux, ces papiers. Génial. Ah, puis alors, attends. Hop, il y en a encore plein à l'intérieur. Oups. Ah, je tire pas sur le bon truc ou quoi? Oups. Ouais, c'est bon. Ah, génial. Génial. Ah, ça, c'est cool. Ah, hein. Oh, merci. Voilà, on les met un peu comme ça. Tic et tac, tic et tac. Ah, c'est génial, ça. Quel amour. C'est beau comme tout. Puis alors, toi aussi, hein, les autocollants transparents. Hein, t'as chopé le virus. Hein. Oh, merci beaucoup, Domi. Ils sont super beaux, tes papiers. Là, je m'éclate. Hein. Attention, attention, je m'éclate. Hein. Alors, donc là, ici, un papier. Ah, c'est un papier hyper spécial, un peu velouté, avec des tamponnages. Donc après, moi, j'ai plus qu'à détourer. Ça, c'est. Oh! Oh, génialissime. Oh, purée, il y a de tout. Hein. Alors, attention les yeux, là. On a des papillons, on a des fleurs, on a des petits oiseaux. Puis en plus, ils sont tout petits, quoi, l'eau. Oh. Ouais, sauf que là, il y a l'étiquette et je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Alors, je vais essayer de virer l'étiquette pour voir exactement ce qu'il y a dessous. Tintin. Tintin ou Walou. Oh, pourquoi ils mettent les étiquettes dessus? Bon, bah, de toute façon, comme je vais l'enlever. Ah, punaise de punaise. Bon, moi, je suis trop curieuse, hein, désolée, mais à un moment donné. Hop! Faut sévir, hein. Voilà, ça y est. Oh, cheval à bascule. Montgolfière. Pot de fleurs. Lapin. Oiseau. C'est quoi ça? Oh, des signes. Deux signes. Avion, poisson, étiquette, arête. Non, des flèches. Pff, maison, coccinelle, lapin, fleur, abeille, la fleur. Là. Je sais pas. champignon, étoile, signe. Non, flamant rose. Ça doit être des flamants roses et peut-être encore flamants roses, palmiers, oiseaux, glace, fleurs. Donc ça j'ai dit, coquille, cœur, papillon. Ça y est, le téléphone il a coupé encore une fois. Donc j'en étais ici. oui, bah de toute façon, voilà, il est blindé mon téléphone, donc il faut que je refasse un nettoyage. Mais ouais, ça c'est super chouette, c'est des trucs de fleuriste, hein, je pense. Hein. Et la texture est tellement, tellement agréable. Hein. C'est vraiment beau comme papier. Si on peut appeler ça du papier. Attendez. Oh là 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 là. Bon, ok. Alors je suis passée devant l'autre jour chez Action, puis je me suis dit, oh, je les prends pas, parce que bon. Honnêtement, je savais pas trop quoi en faire, mais c'est vrai que j'aurais tourné autour, mais je les avais pas pris. Bon, bah voilà, ça y est. Domi a fait mon petit plaisir. En même temps, les personnages sont tellement mignons, les petits hérissons et les petits écureuils. Bah ouais. Les renards, les feuilles et les champis. Oh là là, c'est vraiment. Les couleurs sont super mignonnes aussi, hein. C'est vrai que c'est difficile de ne pas craquer devant. Hein, et les citrouilles et les pommes. C'est vrai que c'est. Honnêtement, comment on fait pour ne pas craquer? Bon, écoute, merci beaucoup. Parce que franchement, j'étais à deux doigts de les prendre. Hein, à deux doigts, à deux doigts. Alors, ensuite. Ah, elles sont belles ces fleurs. Très, très belles. Des fleurs en papier comme ça. Super jolies.
suis fan. Oh, des doutes. Ah, super, 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 super. Plein de petites découpes comme ça. Ah, des petits onglets. Merci beaucoup. Donc ça, bah oui, ça. Alors non, par contre, les feuilles, je les avais pas. Tu vois, ça j'avais, mais ça j'avais pas les feuilles. Après, pour des décos d'automne, sur les tables et tout, ça, ça peut être vraiment génial. Alors, j'ai d'autres découpes. Alors, celle-ci, je crois que tu me les as déjà faites aussi. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Je vais les mettre ensemble. Paris, ah non, par contre, la tour Eiffel, ça, je ne l'avais pas. Et elle est trop belle. Ça, la tour Eiffel, nickel. Pour mettre sur des devantures de cartes ou autres. Alors, elle m'a refait, hop. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Celle-ci, c'est mes préférées quasiment. Parce qu'elle s'adapte partout, 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 partout. Alors, je vérifie mon téléphone toutes les 4 minutes parce que ça va recouper. Oh, merci! Je l'ai regardé tout à l'heure, je l'avais reluqué sur ta couverture. Ah, ça, c'est chouette. Oh, merci beaucoup parce que celle-ci, elle me plaisait beaucoup. Et puis là, voilà, plein de petites étiquettes, des petits tags. Je suis désolée, je suis obligée de faire un petit peu vite parce que j'ai vraiment peur qu'il me plante, là, le gars, là. Enfin, comme c'est déjà arrivé, d'ailleurs. Et, oh, des petites dentelles et tout. Ah, elles sont super mignonnes. Elles sont super mignonnes. Merci, Domi. Tu m'as gâtée. Tu m'as gâtée de fou. Alors, ensuite, des petites choses en liège. Donc là, c'est pareil, hein, pour faire des socles ou des petites choses comme ça, ça peut être toujours pratique. Ou alors, pour faire des devantures, parce que c'est pas très, très épais, mine de rien. Donc, on peut réussir à faire des choses en relief et c'est tout léger. Donc, ça s'adapte bien. C'est vraiment cool. Oh. Alors, bobine comme ça, j'en ai une, mais j'avais pas du tout cette couleur. Et elle, ça, c'est vraiment... elle est. Mais je vous l'avais déjà présentée, hein, sur un haul. Et c'est vrai que c'est de la cordelette qui est tressée et elle rend super bien. Moi, je l'ai déjà fait sur des... Ah zut, Enfin bref, sur des choses que j'ai faites, hein, des créations. Oh, merci. Et ça rend super bien. Elle se colle cool et du coup, ça fait vraiment super chouette. Oh, merci beaucoup. Celle-ci, je ne l'avais pas trouvée. Celle-ci, je l'ai, mais ça, c'est pareil. Chez Action, on en est toutes au même point. Quand ils font des... Oh ! Quand ils font des trucs bien, quelquefois, on peut être des mois, voire plus jamais retrouver en stock. Donc, les dentelles, en ce moment, il ne faut pas trop leur courir après, hein, chez Action. Et autant vous dire que quand il y en a, bah, vaut mieux faire un stock. C'est sûr qu'on dévalise, mais oh, c'est cool. Ah, ça, c'est cool. Donc, ça, c'est les manchons rétractables. Vous savez, je vous ai fait une petite vidéo justement pour décorer vos pots en n'importe quoi, hein, même vos boules de Noël en liège. Vous pouvez adapter ça. Et oh, purée, c'est beau. Alors, ceux-là, je ne vais pas te mentir, je les ai déjà. Hein, je les ai déjà. Mais alors, ça, par contre, je ne les avais pas du tout. Sont magnifiques. Ah ben non, ben celui-là non plus. Ils sont vraiment, je vais éternuer. Ils sont vraiment super chouettes. Ah ouais, carrément beau. Oh punaise. Ben non, ben celui-là, je l'avais pas non plus. Ah bien le format, grand format. Donc ça s'adapte après sur des contenants beaucoup plus grands. Et c'est vrai que c'est bien d'en avoir de plusieurs formats. Ça, franchement... ouais. Ils sont vraiment sublimes. Ça, vraiment pour Noël. Donc ça, vraiment pour vos boules de Noël. Vous englobez ça dans une boule en polystyrène. Vous la trempez dans l'eau chaude. Et vraiment, ça va épouser votre boule. C'est vraiment épatant comme papier, hein. Ah, ben je ne l'ai pas celui-ci. J'en ai un blanc et noir, mais pas du tout avec ces motifs-là. Pas du tout, pas du tout.
Trop joli. Celui-ci, je l'ai aussi. Mais vraiment, dans vos... Enfin, pour les sapins de Noël, si on veut se les faire toute seule, c'est... Alors attends, celui-ci, oui, je l'avais déjà, tu me l'as mis. Hein. Tu m'as mis des doublons, alors, hein, c'est normal. Mais je pense que je l'ai déjà. Alors attends, la petite brouette, oui, c'est ça. Là, voilà. Et là, pareil, donc tu me les as mis en deux. Ben, ça, c'est vraiment sympa. Hein. Oh là 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 là. Donc ça, c'est vraiment des petites merveilles. Donc celui-ci, ça doit être le même aussi que tout à l'heure. Si je ne me trompe pas. Oui, en fait, tu me les as mis en double. Bah, c'est cool. Hein. Merci beaucoup parce que ça, c'est vraiment chouette. Moi, depuis que je l'ai découvert, ce papier rétractable, bah, j'en suis fan, quoi. C'est tellement. Ouais, c'est super agréable à faire. C'est un bel atelier. Et puis, ça épate vraiment les gens avec qui on le fait parce que bah, ils connaissent pas. Et moi, je sais qu'Alain, oh, tu m'as tout mis en double. Oh, t'es un amour. Merci beaucoup. Alain, quand je lui ai montré la première fois, il était épaté, le type. Il était épaté. Je les range en même temps que je vous parle. Hein. Je range les doublons. Hop là, voilà. Et puis, oh purée, le format de fou! Ah purée! En plus, ils sont magnifiques avec les oiseaux. Oh, mais là, c'est big format. Ah ben celui-ci, je ne l'avais jamais vu en format comme ça. Oh, c'est génial. Ah non, format comme ça, jamais vu. T'es un amour, Domi, parce que là, franchement, t'as tapé très très juste, évidemment, avec tout, hein, d'ailleurs. Mais notamment avec ces petites choses qui me tiennent vraiment à cœur. Celui-là, je ne sais plus si je vous l'avais montré. Mais c'est adorable. Vraiment, tu m'as gâté pourri. Merci beaucoup, Domi. Merci beaucoup à vous trois, en tout cas. Parce que bah, c'est des gestes tellement bah, qui me font chaud au cœur. Hein, je ne vais pas vous mentir. C'est touchant. Voilà, ça me touche énormément. Ça me gêne, oui, aussi. Mais je ne peux pas vous dire non, franchement, ça ne m'intéressait pas de recevoir des colis. Déjà, un, je ne fais pas mes vidéos pour ça, ok? Je les fais pour me détendre, pour vous détendre, pour qu'on s'amuse. Beaucoup de gens me disent, bon, j'ai eu des messages privés qui me disent, mais bon, voilà, tes vidéos, elles sont sans pub et on sait pourquoi. Donc, tu t'investis énormément et on aime bien te récompenser. Alors, ben, honnêtement, je le fais pas pour ça. Mais je ne peux pas vous dire que vous suis pas reconnaissante non plus. Ce serait, je suis pas menteuse, donc je ne veux pas vous dire que ça me passe dessus, ça me glisse dessus comme sur de l'eau sur les ailes d'un canard, quoi, en fait. Voilà, ben, je ne sais même pas quoi dire, quoi. Merci beaucoup, merci énormément à vous trois, à Valérie, à Madelon, à Domi, pour tout ça. Et par contre, je ne vous dis pas merci pour une chose, c'est que maintenant, il va falloir que je me tape le rangement toute seule. Bon, alors là, par contre, là, sur ce coup-là, je ne vous dis pas merci, parce que Alain va encore hurler quand il va dire non, c'est pas possible. Tes tiroirs et tes placards sont pleins. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Oh mon Dieu, quelle aventure! Allez, je vais vous laisser parce qu'il y en a déjà pour. J'ai combien de temps de vide? Ben là, j'ai 10 minutes plus tout à l'heure. Donc, ouais, un montage. Ouais, je suis peut-être pas loin d'une heure là, au moins. Au moins. Allez, je vous fais plein de gros gros bisous. Merci encore beaucoup à vous trois. Je vous embrasse enfin, très très fort. Et je vous remercie énormément pour votre super générosité et votre geste, voilà, tout simplement. Allez! Gros bisous, à tout bientôt et bah, belle soirée. Voilà, bisous.